Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une matinée de maman avec moi. Ce sont des vacances. Dans cette vidéo, nous allons faire le petit déjeuner aux enfants, cuisiner et aller faire une petite balade. En fait, c'est juste une vidéo de ma matinée de ce jour que j'ai bien voulu partager avec vous. Là, nous sommes le matin, je me suis levée, les enfants aussi. Et je vais le faire le petit déjeuner. Ce sont les vacances, il n'y a pas trop de protocole. Donc la personne qui veut déjeuner au sol, déjeune au sol. La personne qui va aller à table, va à table. La personne qui veut rester à côté de maman, la cuisine reste. Donc pendant les vacances comme ça, je laisse faire quoi. Je laisse certaines choses. Pas tout, hein, je laisse certaines. Pour toutes les personnes qui découvrent cette chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de deux filles, je vis en Afrique, au Cameroun. Et je fais les vidéos motivation, ménage, organisation, astuces, petites décorations. En fait, je fais des vidéos sur le quotidien d'une maman. J'espère que ce contenu te plaît, toi qui viens de découvrir ma chaîne. Alors n'hésite pas à t'abonner, à partager et à me laisser un commentaire pour me dire si c'est sur cette vidéo que tu as découvert ma chaîne. Ça me ferait plaisir de le lire. Ici, là, je suis en train de débarrasser ma cuisine après avoir donné le petit déjeuner aux enfants. Et je me fais un verre d'aloe vera parce que j'aime bien boire l'aloe vera régulièrement parce que ça m'aide à gérer les problèmes de ventre. Là, je passe rapidement un coup de chiffon sur mon plan de travail où le lait s'est versé. Parce que le lait, c'est quelque chose qui apporte beaucoup les mouches. Comment on appelle les petits trucs là qui se posent sur le lait? Je ne sais pas si ce sont les mouches, mais ce n'est pas les mouches. Ça doit avoir un nom. Donc, je nettoie ça rapidement. Et j'avais envie de me faire une purée d'avocat avec ces avocats que ma maman m'avait apporté de Bouddha. Mais aucun avocat n'était tendre. Vraiment, j'étais choquée. Je voulais manger les avocats. Jusqu'à maintenant, je vais aller nettoyer le chou. Je vais enlever les feuilles d'à côté que je ne vais pas jeter. Ces feuilles là seront nettoyées plus tard aussi et découpées, mais là j'enlève les feuilles jusqu'à ce qu'il me reste la boule de chou. Je mets du bicarbonate de soude dans de l'eau comme d'habitude pour laver mes fruits et mes légumes. Je lave bien la grosse boule. Ensuite, j'irai rincer. Mais avant, je trempe les feuilles dans l'eau du bicarbonate de soude. Donc, je nettoie les feuilles à jeter. Le reste, je trempe. Pour découper, je vais couper en quatre. J'ai un truc là pour racler les choux, mais ça m'enlève les choux très petits. Ça permet de découper facilement et rapidement les choux, mais ça découpe très petit. Ça découpe comme les choux de pour faire une salade. Mais là, je veux faire une sauce. Je ne veux pas que ce soit trop petit. Après avoir terminé de découper mes choux, je vais mettre du sel et frotter, emballer et conserver au congélateur. Puis je viens directement commencer le repas du jour. Aujourd'hui, je vais faire le riz sauce tomate. Et pour cela, j'aurai besoin de poireaux, persil, céleri, basilic, poivron et oignon. Ensuite, je vais venir dans les condiments secs prendre le njansan. C'est ce que j'ai dans la main là. C'est comme les arachides, mais c'est pas les arachides. Je vais tremper dans le njansan et poser de côté pendant que je vais sortir les autres condiments secs comme le poivre blanc, l'herbe de province et l'anis vert. C'est ça qui est dans le plastique noir là. Ensuite, je vais sortir les rondelles et les pebbles. Les rondelles, en fait, c'est rond, le pebble. Et puis après, je vais sortir aussi le quatre côtés et les clous de girofle. Ce sont ces condiments-là que j'utilise pour faire ma sauce tomate. Mais la réussite de la sauce tomate résiste au niveau des proportions. Un condiment en trop te gâte la sauce. Ne vous inquiétez pas, je vais vous décrire tout cela dans
La description de cette vidéo, mais les proportions, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas. Je choisis à l'œil selon la quantité de tomates que j'ai. Là, je vais aller nettoyer mon poisson que j'ai sorti du congélateur. Je mets dans de l'eau et je commence à nettoyer directement. Le poisson, c'est mieux de le nettoyer dès qu'on sort du frigo. Si on laisse dégivrer, ça devient mou là, vraiment, ça devient très compliqué. Et puis, ça peut même s'émietter. Du coup, quand je sors du congélateur comme ça, je nettoie directement, je découpe, je mets du sel là et je pose dans un panier le temps, par exemple, d'aller découper tous mes condiments. Là, je découpe tout ce que j'avais prévu, dont tomates et tous les condiments que je vous ai montrés pour écraser. D'habitude, j'ai la tomate écrasée au congélateur, mais ce jour, je n'en avais pas. Quand j'ai la tomate en grande quantité, j'écrase une partie, je sèche au feu avant de garder au congélateur. Au moment de cuisiner, je retire cela et c'est plus rapide. Mais ce jour, je n'en avais pas. Je vais donc mettre la marmite au feu pour le riz. Je vais mettre de l'huile dans la marmite pour tourner le riz à l'intérieur. D'habitude, je mets de l'huile, le sel et les oignons. Mais les oignons aussi, je n'en avais plus. Donc, les oignons étaient finis. Je n'avais plus que les oignons au congélateur. Et découper les oignons congelés, vraiment, c'est la galère. Donc là, je mets l'huile dans la marmite, je mets le sel, je verse mon riz tout sec hein, que je n'ai pas lavé. Et je me mets à tourner. Donc, je fais tourner ça à sec comme ça avant de venir ajouter l'eau. J'ai déjà de l'eau chaude dans la bouilloire pour faciliter la cuisson. Donc je prépare le riz avec l'eau de la bouilloire. C'est la même manière que je fais. En fait, je prépare presque tout avec l'eau chaude dans la bouilloire pour que ce soit rapide. Et en même temps, ça m'économise le gaz, hein. Pendant que le riz est en train de cuire d'un côté, je vais mettre ma poêle de l'autre côté, mettre de l'huile à l'intérieur. Quand ça va chauffer, je vais venir mettre le poisson. Franchement, cette poêle-ci, je l'adore tellement. Ce sont les poêles avec fond noir. C'est pas la marque Tefal, mais c'est aussi meilleur que Tefal. Ça ne colle pas, ça ne. Franchement, c'est. Je l'aime beaucoup. J'ai terminé de faire fouiller le poisson. Je mets une marmite casserole au feu. Je mets la tomate à l'intérieur. Je choisis cette marmite parce que c'est une marmite qui chauffe vite. Du coup, la tomate va vite sécher. Je vérifie mon riz et je constate que le riz est cuit. Je vais donc changer de foyer parce que le foyer de devant là est le plus large. Je porte le riz et je mets ma tomate sur le foyer de devant pour que ça sèche vite. Pendant ce temps, alors, je vais faire la vaisselle. Je vais laver tout ce que j'ai utilisé et ce dans quoi on a déjeuné le matin. Quand j'étais petite, chez ma grand-mère, la vaisselle était ma tâche. Quand j'étais plus petite, j'ai commencé à laver les assiettes à l'âge de 6 ans quand j'ai quitté la maison de mes parents pour préférer habiter chez ma grand-mère. C'était ma tâche préférée. Par contre, je n'aimais pas laver le derrière des mamites parce qu'on utilisait le feu de bois. Je détestais ça. Du coup, je lavais le derrière des mamites peut-être après 2 semaines ou après 1 mois. Pendant que je lave, de temps en temps, je vais aller tourner ma tomate pour qu'elle ne brûle pas. Donc là, j'ai tout lavé, je vais classer. Le rangement, c'est la base. Vraiment, l'organisation, c'est la base pour avoir une maison qui est propre avec les enfants. Les grandes assiettes comme ça, quand je lave, j'essuie directement, mais les petits, je couvre dans mon panier et ça va sécher là-bas.
Et voilà donc la tomate qui a séché. Donc je vais mettre notre marmite au feu et mettre l'huile du poisson, l'huile que j'ai utilisée tout à l'heure pour faire frire le poisson et faire frire la tomate à l'intérieur. Quand j'utilise l'huile comme ça, je préfère ne pas garder l'huile et utiliser immédiatement dans le repas qui suit. Je me suis rendu compte que j'ai tout écrasé sans écraser le piment. Je vais donc laver ma pierre et écraser le piment, toujours en mettant un chiffon sous la pierre pour que la pierre ne glisse pas. Je vous ai dit, cette astuce m'a été donnée par Jeanne Sullivan. N'hésitez pas à cliquer sur le lien de sa chaîne que je mettrai en description pour aller voir ce qu'elle publie. Maintenant que j'ai tout écrasé, j'ai mélangé dans les autres condiments qui étaient là, je suis venue mettre dans la marmite. Vous avez constaté que je n'écrase pas la tomate avec les condiments. Parce que quand on écrase la tomate avec les condiments, après on laisse sécher la tomate longtemps, la saveur des condiments, le goût des condiments, ça disparaît. Voilà pourquoi j'écrase la tomate, je sèche la tomate à part, c'est quand la tomate est prête que je viens mettre mes condiments à l'intérieur. Donc là, je vais rapidement laver ma pierre avec le savon et ranger. Cependant, je viens vérifier ma sauce, que tout cela mijote, j'ajoute le sel parce que j'ai commencé à cuisiner il y a quelques mois sans cube. Et mon repas est prêt. Je dois servir. Il est à noter que ce sont les vacances et à la maison, on a deux personnes de plus, donc on a deux vacanciers. On mange les grandes quantités chez nous, donc je vais servir tout le monde et on ira à table. Et c'était vraiment délicieux. Il n'y a qu'à voir ce plat, comment il est vide. Après avoir mangé, donc, les enfants ont décidé d'aller digérer en marchant un peu. J'ai dit ok, y a pas de problème, allons marcher. Nous sommes donc allés marcher un peu au quartier. Après la balade, nous sommes rentrés à la maison. Elles ont pris leur bain, elles se sont mises devant les tintins. Et cette vidéo est arrivée à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci de me laisser un commentaire. Merci pour votre soutien. Et portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.